Bonsoir. Donc, on est là pour une vidéo découverte un petit peu particulière parce que je suis en WAF cette fois. Je me suis mis en WAF parce que je ne pouvais pas, sur certaines circonstances, vous commenter ce jeu donc qui vient de sortir sur le PSN. Il y a peu donc d'Eric, ce Delphine, disponible sur le store US. Et comme ce ne sera pas en live, comme c'est en WAF, donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé à peu près tout le long en jouant. Donc je vous ai fait le jeu jusqu'au premier boss. J'ai coupé un petit peu de 3 morts. Alors donc, à savoir, le jeu a été fait d'une façon assez particulière, puisqu'elle a été faite entièrement, d'après ce que j'ai compris, les personnes qui ont fait ce jeu ont fait entièrement le jeu à la main avec des bouts de carton. Et ils ont animé tout ça, donc il a un système de développement qui est intéressant, enfin qui est intéressant, qui est assez, assez what the fuck. Et il a surtout une patte graphique. Franchement, la patte graphique du jeu, je l'ai trouvé juste énorme. Donc en gros, vous jouez un dauphin, non, c'est pas Ico, hein, ce n'est pas Ico, il vous joue un requin. Et voilà, donc le jeu a l'air assez, enfin moi je trouve qu'il a l'air assez vicelard, puisque dans les niveaux, il y a 3 types de niveaux. Il y a les niveaux speedrun, il y a les niveaux énigmes, et il y a les niveaux boss. Et donc les niveaux speedrun, vous avez votre barre de vie qui baisse à mesure. Les énigmes, c'est des énigmes en fait, il n'y a pas besoin, vraiment besoin de faire des études compliquées dessus. Et les niveaux boss, ben, c'est des boss. J'ai eu pas mal de peine, j'ai recommencé 3-4 fois le boss parce que je comprenais pas vraiment le truc, mais j'avais coupé. Voilà, donc c'est un jeu, j'ai directement été sous le charme de ce jeu. Vraiment, parce qu'il a juste une patte graphique. Je trouve qu'il a une patte graphique assez spéciale. Il y a des gens qui disent que ça peut faire penser à Little Big Planet. Je suis pas vraiment d'accord. Et aussi, les phrases des temps de chargement sont juste cultes. C'est juste culte. Moi, il m'a aucunement fait penser à Little Big Planet, mais pas du tout. J'ai trouvé ça encore plus énorme. Et voilà, donc... Donc, le jeu est disponible. Il est disponible d'ici... il a été disponible aujourd'hui, donc le 9... Le 10 octobre, on est le 10 octobre là. Non, on est le 9 octobre. Le 9 du 10. Oh, on est le 10. On dirait. Non, on est le 9 octobre. Il est disponible depuis aujourd'hui sur le store américain. Je l'ai pris sur le store américain. Il est entièrement en français aussi. Le gameplay est juste. La maniabilité, faut un temps d'adaptation qui prend une quinzaine de minutes. Mais elle est juste excellente. Et c'est franchement le genre de. Bah, c'est clairement le genre de projet qu'on aimerait voir arriver plus souvent sur le PSN. Sans déconner, le jeu est arrivé comme ça, un petit peu sans prévenir. J'avais entendu parler via certaines personnes. Le jeu est arrivé comme ça sans prévenir. Moi, je me disais, ouais, ça va être un jeu indie mal géré, mal conçu et tout. Mais en fait, non, le jeu, je me suis éclaté dessus. Et puis, je suis mort au premier stage. Je me suis éclaté dessus dès les premières minutes. Et voilà, donc les contrôles sont très très bons. La patte graphique, je la trouve énorme. Surtout que tous les... les gars se sont fait chier à tout faire en carton-pâte, les décors. C'est ça que... Ça change un petit peu du... Ça change un petit peu de l'indie classique qu'on se tape en ce moment, où j'ai l'impression souvent de revoir quasiment tout le temps le même jeu, malgré certains ovnis qui sont excellents comme FTL. Pour ceux qui ne connaissent pas FTL, c'est Faster Than Light. Voilà, mais ce jeu, il est vraiment pas cher, il est à 7,99$. Oula, j'ai parlé comme en français, je rectifie, il est à 7,99$ sur le PSN US, et il va être un petit peu plus cher sur le PSN Europe, il me semble. Oui, alors là j'avais le syndrome écho en fait, je bourrais sur la touche C, ou la touche X ou bien rond. Pour penser à aller plus vite en fait, c'est le syndrome écho. Et ça n'allait pas plus vite, hein. C'est pour ça que je mange non-stop dans le vide. C'était le syndrome écho du Dolphin, tout le long. Alors le jeu, je vais l'exploiter à fond, et je vais sûrement en faire, enfin je vais le finir. Et je vais sûrement en faire un let's play, parce qu'il a l'air quand même un petit peu, comment vous dire ça, un petit peu légèrement tendu du slip à certains points. Mais il est juste, moi personnellement je le trouve juste excellent. Voilà, c'est pas... Les phrases là sont juste cultes.
Les phrases sont juste cultes, le gameplay est vraiment intuitif. Et c'est surtout la patte graphique qui m'a fait directement crocher. D'habitude, je suis pas en fan des jeux qui ont une patte graphique spéciale ou bien qui sort un peu du lot. Mais là, vraiment, ça passe. Pour le jeu, ça passe, mais super bien. Ça passe vraiment super bien dans ce jeu. Il peut aussi faire penser un petit peu à Locoroco sur PSP. Mais sauf que je me suis beaucoup plus éclaté sur mes 10 premières, la 10 minutes. 10 premières minutes là-dessus que d'avoir fait ces jeux en entier sur PSP. Ouais, je trouve la tronche du requin qui est juste culte. L'OST, bah écoutez, je peux pas vraiment vous en parler. Tout simplement que la raison. Les phrases là, elles sont tellement cultes. Tout simplement que la raison est que j'étais en conversation Skype au moment où j'ai testé le jeu. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait un live. Là, je sais plus pourquoi j'avais mis sur pause. C'est pas grave. Ah, donc l'OST, je vais pas vous en parler. Moi, je vais faire à fond le jeu. Ah bah, j'avais mis une longue pause. Alors, je vous couperai ça au montage magique. Donc, je pense en faire un let's play dessus tôt ou tard. Ah, c'est le genre de jeu qu'on aimerait voir plus souvent. Qu'on aimerait voir plus souvent en indie sur le PSN. Après bon, il manque quand même quelques titres, mais pour les la demi-heure que j'ai joué à peu près une demi-heure là pour le moment. Franchement, je vous le conseille, quoi. Je vous le conseille, il est vraiment pas cher. Il est vraiment vraiment pas cher. Donc là, ça c'est le premier stage énigme. Alors j'ai bloqué un tout petit peu au début. Oui, non, j'ai le syndrome écho. Hein. Je bourrais comme un con sur le bouton attaque parce que je croyais que j'allais nager le plus vite, mais ça ne sert absolument à que dalle. C'était what the fuck. Non, non, non. C'est le syndrome que j'avais. Hein, et je pense que je vais encore le garder longtemps. Voilà, donc là, j'essaie de passer en haut. Là, je voyais qu'il y a des trucs, donc je pensais qu'il fallait mettre un truc là en bas. Donc là. Je fouille un petit peu. Donc là, je ne savais pas trop que faire. Je ne comprenais pas. Je regardais sur le guide Prima. Là, j'ai qu'il y avait un truc relou en haut. Donc je me suis dit, je vais essayer de le prendre. Je sais plus si j'en étais encore à cette phase. Voilà, là j'ai compris qu'on pouvait déplacer ce truc. Donc je me suis dit, il faut l'amener peut-être sous le truc de la croix. Donc là, j'essayais de le pousser. La gestion des sauts par contre est un petit peu bizarre. La gestion des sauts est un tout petit peu bizarre. Parce que. Il faut comprendre la gestion des sauts. Elle est très bonne, elle est très très bonne. Mais au début j'ai mis un moment avant de comprendre comment bien la gérer. Mais elle répond très très bien. Comme je l'ai dit, les contrôles sont juste excellents. Donc là je cherchais comment faire pour la suite. Normalement il doit y avoir un espèce de truc. Et je me suis dit, allez, je crois que ouais, voilà, là je vais avoir en arrière. Voilà, je le pousse au milieu. Non, je lui dis, je le pousse au milieu, voir si c'est bon. Je cherchais, et là j'ai vu qu'il y avait un bouton. Et voilà, c'était le premier stage énigme. Non, franchement, ils ont dû se faire chier à fond pour ce jeu. J'ai vu le. Sur le Twitter du jeu, je crois, le making of. Et ils étaient avec des cartons pâtes en train de s'amuser à déplacer des trucs. Alors, ce qui est énorme aussi, c'est qu'il est entièrement traduit en français déjà. C'est ça qui est juste énorme. Moi, je pensais qu'il aurait juste été en anglais sur le store américain. Apparemment, un poisson n'est pas une isle. Ah, il y a une petite erreur de traduction. Isle, ça n'avait pas été, ça avait pas été traduit. Enfin, moi, ce que j'adore, c'est le look du requin, quoi. Il est juste énorme. Allez, le stage, j'avais recommencé 3-4 fois ce stage, mais je vous avais coupé au montage. Parce que c'était le requin, le premier boss, et je savais pas trop comment le battre. Donc, c'était le premier boss du jeu.
Donc ça, c'est une... la barre qui est en haut, en fait, vous voyez, une barre qui descend. En fait, ça, c'est ma barre de vie. Elle descend en permanence. Ça fait quand même un jeu assez hard et il faut vraiment speed pour le passer. Là, je crois que j'ai eu de la peine à passer ce passage au début. Ouais, je sais pas, peut-être c'est un essai que j'avais loupé là sur ce niveau. Non, là j'avais réussi. Enfin, ouais, on arrive bientôt au bout, c'est vraiment une vidéo courte pour vous montrer le jeu. J'avais prévu à la sortie de faire une vidéo de ce jeu, parce que c'est un jeu qui m'a tellement intrigué au niveau des screens, ça m'avait tellement intrigué que je voulais directement le prendre et là j'essaie de trouver une autre technique parce que le requin m'explosait à chaque fois. Enfin le requin, c'est un orc plutôt. Je sais pas, ouais, c'est un orc, c'est oui. Voilà, c'est l'orc qui m'explosait à chaque fois. Donc franchement je vous conseille, hein, je vous le conseille. Il est pas cher, il est vraiment fun et il est très très bon. Ah non, là j'étais mort. J'avais pas réussi, je crois que j'avais fait donc, quand même plus que 3 morts. Bon, là ça va être l'essai où j'y arrive. Parce que mine de rien, au début il a l'air super simple, mais je pense qu'il va devenir vraiment très tendu par la suite. Après bon, aussi ce qui est regrettable, c'est sorti uniquement, je crois que c'est uniquement une sortie PSN. Je ne sais pas s'il va sortir sur PC. Ça c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu le point noir. Au moins qu'ils sortent sur PSN et sur PS3 et sur PC quoi. La Xbox on en a pas besoin, eux ils auront leur inédit, hein. Ils ont deux Astellas and Tai, nous on l'a pas. Et j'aimerais l'avoir. Mais voilà quoi, il faudrait quand même, je pense une sortie PC, franchement ça pourrait donner. Donc là je sais pas si c'était une partie que j'avais réussi, j'essaie de récupérer la vie. Oui, les poissons te redonnent de la vie un peu comme dans un écho. Je sais pas si j'avais réussi là. Ah si, je crois que j'avais réussi au pixel près. J'ai réussi au pixel près de battre le boss. Vraiment au pixel près. Et on arrive à la fin, donc on va arriver à la fin de cette vidéo, c'était juste une petite présentation de ce jeu. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite.